France entière pour la fête de la musique. Et comme d'habitude, je suis sur mon portable. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et sur Twitter, il y a une application, c'est les 10 mots les plus utilisés en France, en temps réel. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Donc, la fête de la musique fait partie des 10. Il y a aussi Laura, Air France. Et le numéro 1. Regarde. Ok. Bon, merci à Energy Blues et à IM. A chaque fois je le chante ce morceau-là. Et là c'est la première fois qu'elle est vraiment là. Alors je suis vraiment ému. Je vais peut-être pas pouvoir la chanter jusqu'au bout ce soir. Est-ce que vous voulez bien m'aider à la chanter? Est-ce que vous voulez m'aider à la chanter? Ok. Malheureusement, j'ai raté le train, je me suis réveillé trop tard. Et même, il y avait trop de bouchons sur la route, donc on a dû prendre le train d'après. C'est parti. C'est toi qui prie parmi toutes les étoiles du ciel. Yeah, 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 en direct de Montélimar, on est avec la princesse Sarah. Voilà, elle et moi, c'est une histoire particulière parce qu'elle avait fait une reprise de la chanson Celui qui avait cartonné. Je crois qu'il y a 10 millions de vues, un truc comme ça, sur YouTube. Et voilà, là, c'est seulement la deuxième fois qu'on se voit, donc c'est cool. Sur la Belgique. Ce soir, on met à Charleroi. Le riz, il est pas bon, le riz. Franchement, le disque de platine, regarde ce qu'il mange. Le riz du TGV, non? C'est Thalys. C'est Thalys, ouais.